plus qu'une épreuve, nom d'une pipe. Allez, c'est parti. Si tu réussis, tu auras l'immense honneur de faire partie du club pré-select de mes jouets favoris. Sam, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est arrivé à Barbie? Regarde ses cheveux et sa robe. Elle passe une série d'épreuves pour tenter de devenir l'un de mes jouets préférés. On dirait que tu lui as fait traverser la jungle, plonger dans un volcan et fini par la noyer. J'ai vu une émission où les gens passaient toute une batterie d'épreuves de ce genre. Et je dois bien dire que Barbie les a toutes réussies au la main. Là, je crois qu'elle va avoir besoin de se détendre un peu au spa. Quel spa? Il y a un spa ici? On va arranger ça ensemble. Pour le bien de Barbie, elle le mérite. Oh ça oui, c'est une excellente idée, Sue. Mettons-nous au travail tout de suite. Doucement, Sam. Oui, il va aussi falloir qu'on te refasse une beauté au spa. Sèche-toi et on y va. C'est bon, Sue, je suis prête. Coucou les amis, aujourd'hui nous allons prendre soin de notre poupée Barbie. Regardez ses cheveux, quelle pagaille. Sue, et si on lui changeait les cheveux? Regarde, ça lui irait bien ça. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais Barbie a besoin de garder ses cheveux. Elle ne veut pas de perruque. Où as-tu trouvé ça? C'est Roger qui a apporté ça pour toi. Je me suis dit que j'allais essayer. Voilà, c'est fait. Pour moi? Pourquoi? Je ne lui ai pas demandé. Tu me caches quelque chose, pas vrai? Eh bien, j'ai entendu dire que tu voulais changer de style. Je voulais t'aider, c'est tout. Merci Sam, mais je parlais de changer de robe, pas de cheveux. Et voilà. Attention Sam, je risque de te mouiller. Ça me fait penser que j'ai oublié d'arroser les plantes. Tu veux bien faire un petit cheat? Pense-y la prochaine fois, ou tu risques de ne plus en avoir. Merci, merci, c'est promis, je m'en souviendrai cette fois. Pendant que Sam court partout, je vais démêler les cheveux de Barbie. Bientôt, tu seras de nouveau toute belle, tu verras. Le meilleur assistant du monde est là et il a apporté quelque chose pour Barbie. Il faut juste que je le retrouve. Qu'est-ce qu'on a là? Un chouchou, une barrette et des bonbons. Wouhou! Barbie n'a pas besoin de bonbons, mais d'un bon nettoyant pour la peau. Et dans notre spa, on peut utiliser une brosse à dents et un peu de dentifrice. Ah d'accord, mais les bonbons ne sont pas pour Barbie, ils sont pour moi. Miam. D'accord, je vois. Tu devrais te débarbouiller, tu as du chocolat partout. Ce sont mes préférés. C'est dommage que ce soit le dernier de la boîte que Roger t'a apporté samedi dernier. Je vois que tu t'es encore approprié mes friandises. On en reparlera plus tard. Maintenant, il faut laver la poupée. Mon petit canard adore l'eau. Nage, petit coin-coin. Sam, ton canard est propre. Contrairement à Barbie, tu ferais mieux de trouver une coiffure pour notre poupée. Je n'imagine même pas ce que Barbie a pu endurer pour finir dans un tel état. J'espère que Sam ne l'a pas enterré dans les plantes qu'il a oublié d'arroser. J'ai trouvé ici. Je pense que cette coupe lui ira ravir. Bien joué, Sam. Ça ne va pas être facile, mais je suis sûre qu'on va arriver à la reproduire. Génial! On a top modèle! Ma Barbie va être la plus jolie de toutes les poupées! Désolée, Ariel, mais c'est la vérité! Bien, mais d'abord, séchons-la avec une serviette. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Sam? Est-ce que notre Barbie est prête pour la prochaine étape? J'en suis certain! J'ai hâte que tu la coiffes! Très bien! Les cheveux de Barbie sont propres maintenant, il ne reste plus qu'à les peigner! Hé, j'ai une idée! Et si on lui teignait les cheveux? Non, Sam, n'y pense même pas! Elle va garder sa couleur naturelle! Fais attention, mes ciseaux sont pointus et je ne voudrais pas que tu te coupes! Hé, si! À quoi ça sert, ça? Je ne comprends pas! Tu peux me l'expliquer? Sam, comme d'habitude, tu es trop curieux! Sois patient et tu verras par toi-même! Pour cette étape, il faut s'armer de patience et de concentration. Si, je peux t'aider. Je vais lui faire des tresses, je sais faire. Enfin, je crois. Ah, nous n'allons pas faire de tresses, Sam. Nous allons utiliser une autre méthode pour faire les boucles. Mais il faut bien que j'apprenne si je veux devenir un grand coiffeur un jour. Ah oui? Et qui vas-tu coiffer? Des humains, des poupées ou des slimes peut-être? Oh, je pense à un nom pour notre futur salon. Sam tire les cheveux. Qu'en penses-tu? Hé, hey, c'est la première fois que je fais ça! Estime-toi heureuse de ne pas être ma première cliente. Attends, petit coin-coin, je vais juste te brosser les cheveux, nom d'une tête à coiffer. Sam, ton canard n'a pas de cheveux. En fait, les canards ont des plumes. Oh non, il faut que j'y aille. Attends, petite Sam, toi, tu as des cheveux.
Laisse-moi les brosser. Sam, regarde, tu fais peur à tes jouets avec cette brosse. Arrête de leur courir après. Tu ferais mieux de venir m'aider à terminer les bigoudis. Ah, tu ne peux pas te passer de moi, hein? Abracadabra! Merci Sam, mais j'ai terminé. Oh! Oula, Barbie ressemble à Médusa. J'ai peur. Et si elle me change en pierre? Comment est-ce que je vais faire? Sam, tu calmes. Ce ne sont que des bigoudis, pas des serpents. Voilà, c'est parfait. Maintenant, il est temps de faire la robe. Cette fois-ci, nous n'allons pas utiliser de tissu. Si moi aussi je veux une nouvelle robe, je suis prêt, regarde. Sam, tu es en train de gaspiller du film plastique, ce n'est pas très bien. En plus, je suis sûre qu'on peut te fabriquer de nouveaux vêtements beaucoup plus simplement. Les amis, attention avec les ciseaux. En parlant de robe pour Barbie, nous allons prendre quelques... Sam! Quoi? Je voulais juste t'aider en préparant quelques bouts de scotch. Aïe! Oh, tu en as partout! Regarde, il ne nous reste plus qu'à en faire une boule. Génial! Je vais pouvoir jouer au foot! Je vais gagner la Coupe du Monde! Sam est tellement créatif! J'aimerais que Roger soit là. Je ne suis pas très fan de foot. Hé, Sam! Ne tire pas n'importe où! Tu risques de blesser quelqu'un! Oh non! Pardon si je ne voulais pas tirer sur toi, je te le jure! Je me demande bien où aurait atterri la balle s'il avait visé dans l'autre direction. Bref, de toute façon, je préfère me concentrer sur la robe de Barbie que je vais réaliser à l'aide de... Moi, avec mon aide, j'ai apporté plein de vernis de couleurs différentes. Voyons laquelle de ces couleurs lui ira le mieux. Pas le vert? Peut-être le rose? Non, ça ne va pas non plus. Ah! C'est vraiment dur de choisir la bonne couleur. Sam, j'ai déjà mis du vernis sur le scotch et j'ai opté pour le bleu. Mais si tu veux, tu peux faire une autre robe d'une autre couleur. C'est un peu ce que j'ai fait. Regarde mon ballon, il est bien plus joli comme ça, non? Effectivement. Regarde, je vais ajouter quelques paillettes sur le vernis. Tu aimes? Waouh, je peux en mettre sur mon ballon aussi? Où est-ce qu'il est? Sam, c'est toi qui vas nettoyer après, on est d'accord? Bien sûr, mais pour l'instant j'ai envie de t'aider. Tu veux que j'ajoute des paillettes? Merci, mais je préfère le faire moi-même, pendant que tu fais une pause. Au fait, si Barbie a réussi toutes tes épreuves, il faudrait peut-être lui organiser une petite fête. Oh, une fête! Quelle bonne idée! J'adore faire la fête! On va bien s'amuser! Certainement pas si tu utilises toutes mes paillettes maintenant et que tu en mets partout par terre. Nos invités risquent de se casser la figure. Et ça, ce ne serait pas très amusant. Alors nettoie un peu tout ça, s'il te plaît. Oh, allez, si, on s'amusait bien. Pourquoi est-ce que tu es si grognon? Grognon? Moi? Eh bien, la prochaine fois que tu dors, c'est moi qui te dessinerai une moustache. On verra qui est grognon. Chante avec moi, ça te redonnera le sourire. La 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 la! Hé, hey, petit chanteur, regarde ce que j'ai fait pendant que tu vocalisais. La robe est presque terminée. Nous allons juste ajouter quelques touches. Si, qu'est-ce que tu fais? Tu vas abîmer la robe de Barbie! Elle en a besoin! Mais non, je vais seulement découper quelques parties non indispensables. Encore un peu. Et voilà, la robe est terminée. Le reste peut aller à la poubelle. Pourquoi? On pourrait s'en servir pour autre chose. On pourrait en faire une couronne, par exemple. Fais-en ce que tu veux. Je ne pense pas que Barbie en ait besoin. Maintenant, nous allons l'habiller pour qu'elle soit la plus jolie poupée de la soirée. Les boucles sont prêtes, donc on peut aussi se débarrasser des bigoudis. Super! Donne-moi une seconde, je vais te montrer ce que j'ai appris. Regarde, moi aussi je vais avoir des boucles. Ce sera une soirée sur le thème des cheveux bouclés. Bon, Barbie est prête pour la fête, mais je ne crois pas que tu devrais y aller comme ça. Je suis le grand Sam! Ah, Sam! Quand est-ce que tu vas apprendre à regarder où tu mets les pieds? Ah, à force de tomber dessus un jour, la table va céder! Oh, ça va, je vais bien! C'est gentil de le demander! Je viens de penser qu'il n'y avait pas de point photo à ma fête! C'est horrible! J'ai donc décidé de m'en occuper moi-même! On n'est jamais mieux!
mieux servi que par soi-même. Et voilà, regardez! Qui ne voudrait pas prendre une photo avec un si joli arrière-plan? C'est bien vrai, il faudra qu'on en prenne une plus tard. D'abord, je voudrais terminer les chaussures de Barbie. Ce sera des talons hauts. Hop! Des chaussures à talons! Super! Regarde-tu, j'ai une baguette magique! Je vois ça! Donc plutôt que de m'aider, tu préfères faire de la magie, c'est ça? Et si moi aussi je faisais de la magie et que je te transformais en décoration pour la fête? Oh non! S'il te plaît, Sue, ne fais pas ça, je t'en supplie! Tu me fais rire, Sam! Je plaisantais, enfin! Jamais je n'utiliserai la magie sur toi! Ouf! Tiens, j'ai apporté quelque chose! J'ai vu ça dans un film! Je crois que Barbie aime bien, qu'est-ce que tu en penses? Pour Barbie, je ne sais pas. En revanche, j'aimerais bien que tu fasses ça pour moi de temps en temps. Ça doit être agréable. Bref, regarde ça. On dirait la chaussure de Cendrillon. Il lui en faut une deuxième. Bibidi, bobidi, abonnez-vous! Waouh, ça a marché! Et voilà ta deuxième chaussure, Barbie. Notre Barbie est prête pour aller danser et faire la fête toute la nuit. Sa tenue est prête. Qu'est-ce que tu en penses, Sam? Nom d'une princesse Disney! Ma Barbie est vraiment la plus belle des poupées! Désolée, Ariel! D'accord, j'espère qu'il ne s'agit pas d'une énième épreuve ou encore d'une blague. Je ne voudrais pas salir notre jolie Barbie. Sa coiffure est si jolie. J'avais presque oublié de les inviter à la fête. Désolée les amis. Amusez-vous bien. Youpi, faisons une photo de groupe. Ensuite, roulement de tambour, on démarrera une nouvelle épreuve. Hé, rends-la-moi. Non Sam, il en est hors de question. Ça suffit pour aujourd'hui. Barbie est fatiguée et laisse-la tranquille. Non, tu as sûrement raison. Non, je plaisante. C'est l'heure de l'épreuve. Rends-la-moi. Oh, Sam, sois gentille avec cette pauvre Barbie. Oh, quel slime têtu. Bien, je crois que je vais devoir tout recommencer. À bientôt, les amis.